Alright tout le monde, je suis Justiner et on se retrouve sur la suite de Banishers Ghost of Eden, New Eden. J'ai changé mes armes, j'ai pris des armes en fait là, qui disaient que quand je tue un ennemi avec mes attaques de mêlée, au corps à corps avec Red, mes attaques de manifestation étaient boostées à 70%. Donc j'ai pris ces armes là, je les ai essayées, elles sont quand même très intéressantes. On va aller voir le gouverneur, on a réglé en fait, on a fait la quête de la chasse aux sorcières. Dernièrement. D'après moi, on doit sûrement achever là. Donnez-nous aujourd'hui notre. Oh. Il est où le gouverneur, lui là? Ah, il est à l'église, merde. Ah non, il est ici. Si tu veux. Salut. Je vais te prendre ça. Attends, je vais looter un peu ton ta place. Et voilà. Je fais comme chez moi, merci. Monsieur? Oui, monsieur McRace. Je dois admettre que cette affaire est très singulière. Certes, mais l'avez-vous résolue? Je crois bien, oui. Mais le coupable n'est pas responsable de l'épidémie. Du moins, pas directement. Avez-vous trouvé la sorcière, oui ou non? Il y a quelqu'un qui s'est adonné à de la magie noire. J'ai son nom. Dans ce cas, qu'est-ce que vous attendez? Je ne sais pas tout. Vous ne voulez pas connaître son nom? Son nom ne vous intéresse pas? Ce n'est pas la peine, c'est le principe qui compte. Pas vraiment. Il s'agit de Lamentation Haskell. Non, impossible. Mon fils est studieux, curieux, peut-être trop curieux parfois, mais il ne ferait pas de mal à une mouche. Il a montré un rituel à Caleb Watson, qui s'en est servi et s'est retrouvé possédé. Même si c'était vrai, cela prouverait seulement que mon fils a été exposé à la corruption. Apportez-moi la preuve, bâtisseur. Trouvez la véritable source du mal. Depuis quand le gouverneur a besoin de preuves? Je vous la rapporterai. Comptez sur moi. Ah, ok. Je dois trouver votre fils, monsieur le gouverneur. Le plus tôt sera le mieux. Il se laisse mener par sa curiosité. S'il n'est pas là, c'est qu'il fait ses affaires ailleurs. Il a repris une des maisons abandonnées qui s'y trouvent. Je les avais fait évacuer lorsque la maladie s'est déclarée. Tenez, prenez la clé. Allez voir par vous-même. Vous vous trompez à son sujet. Vous vous trompez sur mon fils. Inutile de mentionner que je compte sur votre discrétion. Ah ah. On va sûrement avoir un boss. On va aller le retrouver, il va sûrement avoir quelque chose. La maison abandonnée. On a condamné jusqu'à ce que son fils se fasse accuser. Qui protège-t-il vraiment? On lui apportera les preuves qu'il demande. Si l'ami est coupable, son père ne pourra sans doute pas le protéger. Ouais, exactement. Bon. Ah, ça doit être la maison là-bas. Ah, mais c'est ça, il nous a donné la clé, on va faire qu'on peut y aller. Yes. On avait essayé de rentrer la dernière fois. Bordel de merde! Qu'est-ce qui s'est passé ici? Quelque chose émane de cet endroit. Waouh! Je comprends mieux que l'accès soit interdit. Ah, il y a quelque chose là. Je peux aller de l'autre côté. On va aller le retrouver en premier. Ah ah.
Ah, un spectre furieux. Ouch. Ils ne retiendront jamais la leçon. Je te bannis. Que le diable t'emporte. L'ami se cache sûrement dans un de ces endroits. Des chasses fantômes. Bon. Il va falloir un coup de main. Les collines de chasse fantômes. Il va en avoir un ici. Pendouille à quelque part, non? Est-ce que le jeu est beau? Regarde-moi le paysage. On était là, nous autres, la dernière fois. Ben, dans les derniers épisodes, là, on était dans les montagnes, là-bas. Cool, le monde, il est vaste. C'est linéaire, mais en même temps, c'est vaste. Ah, il y en a un chasse là. Je peux pas y... Je me rends... Non, faut que je fasse le tour. On va faire le tour. Hein, c'est pas plus grave. Ah! Ben là, comme c'est là, je peux pas y avoir accès. Il y a combien de racines? Il y en a une là. Il y en a une là. Je pense qu'il y en a une autre. Je pense qu'il y en a une autre. On va essayer. Yo! Vite! Quelque chose me bloque. Des chasses fantômes. Ah merde, je pense qu'elle était juste là. Ouais, c'est ça, elle est de l'autre côté. Merde, je l'ai scrappé. Ici. Ah ah. C'est bien là? Ouais, ok, c'est bon. Voilà. Vite, cours. J'aurais presque envie d'avoir mon propre jardin. Crois-moi, il vaut mieux pas que t'aies un jardin. Oh, donc là, je vais pouvoir passer par là. Nice. Red, je ne peux plus me manifester. Ah oui, je le sais. Et voilà. C'est bien moi. Chose par ici. C'est caché. Oh mais salut. Vite. Boum. Appelle-moi si tu as besoin. Oh. Merde! Est-ce qu'on en a oublié? Oh, il y en a encore plein! On a touché sa partie ici. Attends, garde, je suis lui. Cette pourriture. Allez, va dans le shit, hein, va-t'en là. Je m'énerve. Je
sens un courant d'air. Ça vient de l'invisible. Bon, on va le voir ici. Ouais, ok, non, je suis pas sûr que c'était par là que je devais aller. Bon, on va faire le tour. Pas mal sûr que lui, il est dans cette cabane là. L'ami, vous êtes là? Fermé. C'est verrouillé de l'intérieur. T'es un alchimique? Un alchimiste, je veux dire? Botanique. Pourquoi? Des rituels, je sais pas moi, de l'alchimie. Waouh! Les incisions sont nettes. C'est du travail d'expert. Waouh! Il est faible, mais il y a bien de la magie ici. Ouais, le dude il cache de quoi là? Je savais tellement là qu'il était là, ce gars-là là. J'avais dit, check bien ça, si c'est pas là, le fils. Il avait l'air tellement innocent. Merci. Aralu. Tu sais ce que c'est? Non, pas du tout. Il a mentionné le vieux moulin. Un endroit qui le fascinait. On l'a vu ça, le vieux moulin. La place du vieux moulin. Fermé. C'est verrouillé. Il doit y avoir une clé. Rien de compromettant, pour l'instant. N'oublie pas ce qu'on a trouvé chez Caleb Watson. Peut-être qu'on ne cherche pas au bon endroit. Si j'avais quelque chose à cacher, je le cacherais sans doute dans un moulin abandonné. Allons-y. Il me semblait bien aussi que c'était pas terminé cette histoire-là. Quand on était dans les montagnes, là, c'était vraiment plus long. Là, j'aurais trouvé ça court. Il y avait même pas de final boss en plus. Bon, allons-y. De la route à faire un peu. Ah! Et voilà, je savais, le vieux moulin. On avait vu qu'on était au cimetière la dernière fois. Puis là, j'ai pas voulu m'aventurer trop. Enfin, je me suis dit que c'était sûr qu'il y avait quelque chose. Dégage de là! Dépêche-toi! Oh merde! Oh. Allez, viens-t'en. Je trouve cool ces... ces dudes-là. Plus qu'il me ramassait.
c'est vrai aussi, j'ai... Oh! Ça fait longtemps que j'avais pas utilisé cette attaque-là. Voilà les renforts! Attention, il va le posséder. Qui ça? Où? Allez, dégage! Ne reste pas là! Bouge! C'est quelqu'un qui cherche à posséder encore quelqu'un ou... Non? Ok. J'avais vu un truc vert. À l'écart du village. Parfait pour ses recherches. Parfait pour garder des secrets. En tout cas... Il n'y va pas pour le plaisir. Non, pis c'est drette en plus l'autre bord du cimetière. Le moulin. Le vieux moulin est par là. Non, c'est ça, je m'avais aventuré par là puis je me suis dit, non. Non. Quelque chose marche pas là. Pardon. C'est trop vaste. C'est sûr qu'il y avait quelque chose d'important là. C'est tranquille, comme une belle journée chez moi. Mais c'est plus plat. Ifa adorait jouer avec les agneaux. Blair préférait les nourrir. Anak passait son temps à rêver. Et toi? Moi, je l'ai préparé pour le repas. Les agneaux, je veux dire. Les filles étaient furieuses. Oui, mais elles n'avaient pas faim. Bon, j'aurais tellement pu me faire un déplacement rapide. Oh, c'est rouge ici. Je suis là, tu sais. Waouh, ça marche pas, là. Il va falloir purger ce nid de spectre. Ouais, ça, si ça me tente. Waouh, man, on dirait qu'on a une lune de sang. On le voit pas, le vieux moulin. Je pense qu'il est dans cette petite cabane-là. C'était rat celle-là, là. En haut de tout. Les bois sombres, c'est par là. Le moulin, par là. Les chasses esprits. Les chasses fantômes. Ouais, chasse fantôme, chasse esprit, même affaire. Attention, une possession spectrale. Oh que non. Tu crois faire le poids face à un fantôme? Tu lâches vraiment rien, hein? Oh, un autre là? Ah, mais sur un peu de bouton, j'ai fait shift pour esquiver. C'était pas ça pendant tout. Un spectre se dirige vers ce cadavre. Yes. Qu'est-ce qui nous attend? Un portail vers le mythique Aralo. Mais je ne sais pas ce que c'est. Autrement, je dirais une terrible tragédie. D'horribles incidents ou... de sombres secrets. C'est juste que les armes que j'ai, je pense que c'est les autres qui font ça. Éliminer un ennemi avec une attaque de mêlée augmente. Donc non, c'est pas la même. C'est quoi là que j'avais équipé là que ça boostait mes dégâts, mais ça diminuait ma résistance. Je pense que c'est ça ici, non? Je pense que je l'ai juste pas là. Ok, non, je pense que je l'ai pas pris. Je pensais que c'était les armes que j'avais.
Parce que je trouvais que j'ai mangé quand même pas pire de dégâts pour un spectre. Quel paysage, il est beau, man. Avec la fumée et tout, là. Le brouillard. J'aime tellement, là, l'atmosphère du jeu. Encore. Tu l'auras la prochaine fois. Allez, viens-t'en. Boom! Ooh! Eh! Ben oui! Le dude là est genre... Il était même pas face à moi. Est-ce qu'on en a oublié? Voilà. Et voilà. C'est quoi ici? On a un repos. Waouh. Magnifique. On a une cabane ici. On dirait que c'est abandonné. Tu crois qu'il est là? Voilà un bon endroit. Si tu as besoin de souffler. Pas sûr que ça est là, moi. Vie est pleine. Parfait. Quelque chose me bloque. Des chasses fantômes. D'accord. C'est sûr. Ah, c'est beau ici, damn! Voilà qui est mieux. On y va. Eh oh! D'après moi, on va trouver juste une preuve. Bon, on va explorer. Quelque chose par ici. C'est caché.
Ah, attends, est-ce qu'on pouvait... Non, ok, c'est fermé. On dirait qu'on peut pas aller par là. Il devrait y avoir un chemin en haut. Bloqué comme toujours. Tous les ascenseurs qu'on trouve sont tout le temps bloqués. Que se cache-t-il ici, dans l'obscurité? Cherchons. Ce roulet m'a tout l'air d'être dangereux. Son apprenti a manifestement suivi la même voie que lui. Encore des chasses fantômes. J'en connais un qui était vraiment très prudent. Les affirmations en homacrite. Tu le connais, celui-là? Oui. Ce livre contient le rituel de palingénésie mineure. Ah, j'imagine que personne n'a prévenu l'ami que les rituels de réincarnation n'étaient pas sans risque. On dirait que l'ami s'essayait à la traduction du rituel. C'est du mauvais travail, comme on s'en doutait. Pas étonnant que le rituel qu'il avait mal traduit pour Caleb ait mal tourné. Le vide. On l'a vu. Pardon, ça aussi on l'a vu. Il ne dit pas beaucoup de bien de son père. Tu crois qu'il cherchait le pouvoir ? Voulait-il sortir de l'ombre de son père ? Si c'était le cas, il s'y est mal pris. Allons au dernier étage. Je suis sûr qu'on y trouvera quelque chose. Ah, je savais que je pouvais être déplacé. Ah, c'est magnifique ! Waouh ! Sa perte de vue. Non, ah, je l'ai pas descendre là. Ah, mais il y a un coffre. Ok. Je m'occupe du cœur, et toi des racines. Là, j'ai trouvé quelque chose. Ok, attends une minute. Examinez les expériences de l'ami. Oh! C'est quoi cette amulette-là? Pas tant bonne. Pourquoi pensait-il avoir besoin d'autant de protection? Encore des babioles magiques. Il voulait masquer sa présence, ou détourner l'attention. C'est qu'un ascenseur. Pourquoi c'est aussi compliqué? Ah, un autre livre. Ce livre, encore. Le livre d'Agrippa. C'est mauvais signe. Très mauvais signe. À quel point c'est mauvais signe, exactement? Ce livre promet la vie éternelle. Mais ce n'est qu'un piège. Espérons qu'ils ne s'en sont pas servis. Bon, il y a un, deux... trois racines. Travail d'équipe.
fini? Ah, quand on l'a eu. Ça devrait servir. L'ascenseur devrait fonctionner maintenant. On ne sait pas ce que l'ami préparait. Et les indices ne sont pas très encourageants. Waouh. Bon, mais ça va se faire encore une fois. Comme dans les mines. Waouh. Magnifique. Quelque chose là, des statuettes. Je crois que je pourrais finir par me plaire sous terre. Entre les ténèbres, l'air frais. Vraiment? Non, pas vraiment. Pas du tout. Et wow. Mes plantes corrompues. Oh bordel. Encore une affliction qui sert de gardien. On va encore falloir descendre. Au moins lui c'est pas payé, il est pas bloqué. Quel genre de monstruosité nous attend? Ah oui, je m'en souviens d'eux. Je dois briser ces affaires ici, puis plus que ça va, plus ça va aller, plus fort ils vont être. Attention, il a pas aimé. Ok. On a un autre là. Oh shit. Oh merde. Ben là, je peux pas esquiver là. Je suis comme d'un petit peu dans la marde là. Juste un petit peu, pas beaucoup. C'est encore liste des autres. Attends, on s'en fout des autres. Aïe, où l'autre truc là? Hey, fuck. Oh fuck. Allez, aïe, où l'autre affaire là? T'attends-tu de me le dire ou? Ici? Non? T'as pas rapport. Ça arrive! Il est en haut là! Merde, comment je sais pas y aller? Ah! Comment je peux pas y aller? Méfie-toi! Ouais, mais comment je sais pour y aller? Ah, ok. Flèche le one shot. Ah, c'était vraiment affreux. Je prendrais peut-être ma retraite quand on en aura terminé. Ça finirait par te manquer, tu le sais. Je pensais pas être capable de le one shot. Et différents symboles magiques.
On dirait qu'ils ont été utilisés comme appât. C'est comme ça qu'il a détourné l'attention de l'affliction. Fais-moi de jamais t'énerver. Et voilà. On avait vu ici. Oh. Trop puissant. J'imagine qu'on passera pas par là. Pour l'instant. Ah, t'es sérieux là? Fuck you. Fais appel à moi. Je suis prête quand tu veux. Bon, ok. On est encore dans la quête de chasse aux sorcières. Bon, c'est ici. Oh, fallait dans le vide. On y retourne. Nous y voilà. Il ne nous reste plus qu'à traverser le vide. Exactement. Bon, c'est le rituel voyage dans le vide. Des rituels obscurs, une brèche dans le vide, une bizarrerie ambiante, la mine doit pas être loin. Détruis ces chasses fantômes, si tu veux que je revienne. Ah, attends, on va peut-être essayer de juste là, traverser le vide. Quelque chose me... C'est affreusement calme. Pourquoi c'est affreusement calme? Par là? Quelque chose me bloque. Des chasses fantômes. Des chasses fantômes dans le vide. C'est assez étrange. Des spectres. Ils ne nous ont pas vus. Ne fais pas de bruit. Peut-être je vais essayer. Des chasses fantômes. À toi de jouer. Attention. Un fil d'Ariane qui nous guide à travers le vide. C'est bien pratique. Ouais, c'est pratique jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Et quand ça arrive, on se retrouve bien, bien coincé. Qu'est-ce qu'on a là? Encore des appâts. Les spectres sont après comme les petits lapins que le gars a tués. Pour ça, il a contourné les spectres. Au lieu de les affronter. On va où comme ça, là? Pas de bon chemin, ça, ici. Hey, on revient sur nos pas. Non? Non. Ok, c'est bon. J'avais comme une impression de déjà vu. Cet endroit me fout les jetons.
Le fils du gouverneur est du genre théâtral. Les plaines. Celui-là est différent. On dirait qu'il est mort de maladie. Là, on trempe vraiment dans de la magie noire. C'est interdit. Je l'ai lu. Parfois, je m'inquiète pour toi. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Règle numéro 4. Ne jamais toucher quelque chose qui suinte. C'est une autre expérience ratée. Ça vient peut-être du vide. Donc, vous pouvez me voir. Vous nous réservez bien des surprises, Monsieur Haskell. Et vous donc, une fantôme bannisseuse, incroyable. Et comment m'avez-vous trouvé ? Non, peu importe. Heureusement que vous êtes là. J'ai cru que j'allais mourir ici. Vous vous cachez dans le vide ? En termes de cachette, le vide est un bon choix. Oui, c'est un endroit formidable. Ou plutôt, un plan ? Un monde ? Difficile de décrire l'art à loup. Mais c'est fascinant de l'étudier. Dites-moi, comment avez-vous fait pour passer le gardien sous le moulin ? Vous avez utilisé un leurre ? Nous l'avons combattu. Ne changez pas de sujet. Évidemment, vous l'avez combattu. Et tant mieux. Je commençais à me dire qu'il voyait clair dans mon jeu. Oh, j'ai tellement de questions. Ce n'est pas une visite de courtoisie, petit. Et c'est nous qui posons les questions. Oui, bien sûr. Vous voyez des fantômes ? Vous flânez dans le vide comme dans un jardin ? Vous connaissez et enseignez des rituels interdits ? Qui êtes-vous ? Je suis l'ami Haskell. Et je m'intéresse à toutes les sciences. Je suis un chercheur véritable, à vrai dire. Ça amène plus de questions que de réponses. Quels sont les piliers de l'univers ? Quels principes soutiennent l'existence ? Est-ce que les occultistes changent le monde ou en effleurent seulement la surface ? Chaque discipline que j'adopte révèle une nouvelle couche de réalité. Je n'en suis qu'au début et regardez-moi ! C'est incroyable, non ? Vous êtes démonologue, comme votre père ? Plus ou moins. Enfin, plutôt moins. Mon père considère l'occultisme par le prisme de sa foi, mais je suis plus avisé. Donc, plus ou moins. Si vous ne partagez pas la foi de votre père, en quoi vous croyez ? Je crois en la vie après la mort. La preuve est devant nos yeux. Et si le vide incarne le désespoir éternel, il y a forcément un endroit qui incarne l'espoir. Mais où ? Je me le demande. Votre père mène une chasse aux sorcières. Votre vie est en danger. On vous trouve plongé dans la magie la plus noire qui soit, en plein discours sur votre voyage transcendantal. Votre vie est en danger, l'ami. Pour contrer le diable, il faut apprendre ses tours. C'est la plus pure des tâches du Seigneur, comme le dit toujours mon père. Je l'imagine très bien dire ça, oui. Quand j'avais 10 ans, il m'a initié à la démonologie. Il me voyait comme son héritier. Et puis, du jour au lendemain, je n'ai plus eu accès aux livres. Alors je les ai volés. Ces livres qu'il me forçait à lire enfant, je les comprenais, et pas lui. Je n'ai rien fait de mal, à part un menu larcin. Bon, mais qu'est-ce que vous faites ici ? Visiblement, vous êtes plongé dans vos recherches. Qu'est-ce que vous faites ici, exactement ? Je cherche l'origine de l'épidémie qui touche les Hers. Et j'ai une petite théorie sur la question. Évidemment, je vous écoute. Au début, je pensais que l'eau était empoisonnée. Mais mon père a condamné le puits et les habitants n'ont pas guéri pour autant. Ils ont pensé à de la sorcellerie, un raisonnement d'un culte, mais qui a permis de mettre en évidence une certaine vérité. Voyez-vous, l'art à loup corrompt New Eden. Son influence se déverse sur les Hers.
C'est absolument évident. Vous pouvez le prouver ? Vous pouvez le démontrer ? Où sont vos preuves ? À New Eden, la frontière entre notre plan et celui-ci est ténue. Même le novice que je suis peut atteindre la frontière et aller au-delà. Je crois également que ça s'est déjà produit. Il y a quelques années, New Eden a été touché par une autre épidémie. Oui. On a appris ça à Fort Jericho. Je pense que la première épidémie venait d'une porosité de la frontière entre New Eden et Laralu. Mais leur maladie entraînait des brûlures physiques, tandis que la nôtre corrompt la raison et l'esprit. Et je crois avoir trouvé sa source. J'ai découvert une substance, une étrange vase. Vous l'avez peut-être remarqué. Je pense que c'est elle, la véritable source du poison des Hers. Elle a une puanteur particulière qui entraîne d'abord chez moi une certaine confusion, puis la perte du contrôle de mes membres. Waouh. Confusion ? Confusion, paralysie. Vous pouvez m'en dire plus ? Je sentais mes mouvements ralentis, ma pensée aussi, comme si l'espace se densifiait. Mais... et si ce n'était pas l'espace qui se densifiait, mais le temps qui ralentissait ? Ces derniers mois, de nombreuses personnes à New Eden ont évoqué un sentiment similaire. Du temps perdu, les heures et les jours qui passent, oubliés. Qui sait comment Laralu perturbe les esprits et les corps des femmes et des hommes ? Hélas, je n'arrive pas à atteindre la source. Laralu est un endroit formidable et sournois. C'est un labyrinthe en constante évolution, qui change et se transforme. Un peu comme un isthme. J'ai trouvé une fissure d'où coulait de la vase dans le sol. Le terrain s'est ensuite reformé et je ne peux plus y accéder. On devrait pouvoir trouver un moyen de passer pour examiner cette source. Vraiment ? Ce serait formidable ! Je peux vous demander de prendre des notes ? Allons voir cette vase d'un peu plus près, alors. Et maintenant que l'affliction a disparu, je peux partir. Soyez prudent. Et si vous avez besoin de quelque chose, faites comme chez vous. Laralu n'est pas chez nous, ni chez vous, l'ami. Mais merci. Est-ce qu'on peut se reposer ici ? Pardonnez mon enthousiasme morbide, Madame Duarte, mais puis-je vous poser quelques questions ? Non. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Est-ce que vous avez encore besoin de manger ? Excusez-moi. Antea, on y va ? Alors comme ça, le modeste fils du pieux gouverneur serait la fameuse sorcière des Hers. Il est dangereux. Plus le puissant a de pouvoir, et plus il est dangereux. Ouais, tout ça c'est bien beau, mais j'aimerais ça me trouver un abri. Je pense qu'on s'en va vers un boss, ça se peut-tu? Je ne sais pas si je peux souffrir de paralysie et de confusion, mais je sens quelque chose d'étrange, et je crois que c'est la vase. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Wow, ok. Ah, mon Dieu. Oh, c'est dégoûtant. J'aurais besoin d'un petit coup de main, là. Pourquoi un coup de main? T'es correct? Ah, mais je pense qu'elle a pu courir dessus. Ah. L'ami avait raison. Tout ça a été bien compliqué. Pas possible. Les chasses fantômes m'en empêchent. Ah, merde. Oh, quelque chose ici. Non, impossible. Bon. Moi, je pense que j'aurais dû rester où est-ce qu'on avait l'ami, en fait. On va retourner voir ça une autre fois. Pas possible. Les chasses fantômes... Mais là, tu peux. Arrête. Même si on n'a pas un abri, là... Je devrais pouvoir le faire.
Ah! Est-ce qu'on peut aller... Ah, j'aurais aimé ça. C'est comme si on a... ça l'arrêtait un petit raccourci. Je sais pas si on peut sauvegarder ici. J'aimerais ça me lancer une petite sauvegarde, parce que ça fait quand même une heure que je joue. J'aimerais ça prendre une petite pause. Je pense que je vais la prendre ici, ma petite pause. C'est comme un abri ici. Ah ouais, cool. Bon, mais écoutez, nous on va cesser là-dessus. J'espère que vous avez apprécié cet épisode, donc un grand merci à ceux qui ont pu le regarder. Puis nous on se retrouve pour la suite, donc prochainement on va s'aventurer, puis on va aller voir qu'est-ce qui se passe dans le vide. Donc restez à l'écoute, à la prochaine. Ciao.